Nèbre, Chenipot, Énergie, Lac Savoir, Luminéon, Portail Mirage, Rocabo. Waouh, Terra, V-Star et frérot, ça pour moi c'est un miscut. En vrai, il y a moyen que ce soit un miscut ou un off-center. Incroyable sur cette carte. Le Astre Radieux qui arrive. Mediana, Yanma, Baudrive, Simularbre, Apitrini. Merde, par contre c'est code noir donc logiquement il y a un hit, donc je suis désolé. Ou une holographie qui pèlait pas holo, donc j'imagine que tu l'auras pas. Un Quack. Furéglon. Putain, il fait une double rainbow quoi. Sika. Rainbow. Double rainbow. Avec 9-9, Ferro-Singe, Flotillon, Pikachu, Kirlia, Machine Technique, Krakos, Pikachu Reverse, totalement... ça c'est une carte à grader ça. C'est off-center hein. Pikachu Reverse off-center c'est quand même sympa hein. On est sur une carte japonaise, let's go. Ouais, moi j'avoue, je préfère le Japon, faut que j'arrête mais... Oh, une Gold VMAX monsieur. Mais let's go, c'est magnifique ça. Silveroi, Cavalier du Froid, Full Art, Gold. En 9,5, putain dommage, on avait tapé un petit 10 là. Et la dernière, japonaise encore, let's go. Avec cette fois-ci... Mais arrête. En plus je vous jure les gars, hein, j'ai 3 cartons différents et j'ai pris dans les 3 cartons différents. Hein. Oh, Pokémon Go. Mewtwo V-Star. 9,5. Incroyable. Eh ben frère, là, Enigma, hein. Faible au ball, Lantern. Oh, il y a Shiny. Oh, putain. Il y a une Gold. Arboliva. Oh, c'est la première Gold que je pack. Oh non, elle est collée. Oh, c'est bon. Et le Dinglu X Gold, monsieur. Double hit dans ce tri-pack. Bravo. Incroyable, le booster, là. Et alors, celle-ci. Oh, c'est une GX Full Art Shiny. Le Branett GX Shiny de Destiné Occulte, monsieur. Incroyable. 9,5 en plus. Trop beau. Bah, bien joué, hein. Ça te réussit pas mal, les énigmas, en ce moment, hein. Une TG. TG de... Oh, 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 petite win ici. Un petit Dracaufeu, madame. Dracaufeu origine perdue en 9,5. Mais oui, le petit Drac. Et derrière, la deuxième carte, c'est une carte française, encore une fois. Avec. Oh. J'ai cru que c'était celle de base, mais non. Florizarre, 25 ans. J'ai cru que c'était celle de base. En 9,5, magnifique. Bon bah, double win là. Félicitations, hein. Tu remplis Mass Reverse. Ah, voilà, on y arrive. Ça va, mec, avec un problème. Allez, pas la même. Oh là là là, oh, le bâtard. Eh bah, t'as la plus rare. La voilà, le Rugilune qui tombe. Ex-alterné, temps passé encore une fois sur le stream. Merci la boutique. Magnifique, la carte la plus recherchée de la série tout simplement. N'hésitez pas, si vous voulez grader vos cartes aussi, vous pouvez passer par moi, mais elle est magnifique. Tout à fait, ah. Oh bâtard, il l'a en double, le bougre. Rugilune Ex, c'est la carte la plus recherchée de la série et tu la tapes en double. Incroyable, félicitations. Comme je vous l'ai dit, hein, chaque tranche de 10 euros, une personne t'y met 10 euros de dons. Collé au dôme. Et pomme de fer très jolie, j'aime beaucoup la couleur. Double hit ici mon petit pote avec la full art de pomme de fer temps futur, type électrique. Et le petit coléodome en carte à air avec tous ses copains sur un magnifique coucher ou lever. Je ne sais pas si ils sont sud, est, ouest, nord. Aucune idée. Donc je peux pas te dire ça. Je peux pas te dire. Allez, premier booster. Fight Paradox. Et alors Amolos qui tombe déjà. C'est une de mes préférées en AR. Je trouve que les couleurs et tout vont vraiment bien avec ce Pokémon. Et je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. Bravo. Deuxième booster. Et les énigmas qui régalent. Félicitations. En vrai. Et incroyable, garde-fer ex terra cristallisé. Qu'est-ce que je dis terra cristallisé, frère? Ferme ta gueule. Garde-fer ex alternate. J'ai bugué parce que je regardais tous les petits Pokémon qu'il y avait derrière. Elle est magnifique la carte. Bakabou. Grondog. Et Elige alternate, monsieur. Petite dresseuse alternate pour commencer.
Poussacha et Grusha Foulart. Let's go. Team dresseuse, là. La carte, elle est incroyable tout de même. Hein. Ceinture et... Mais c'est incroyable. Bon, tu fais tous les traîneurs. C'est que des traîneurs, certes, mais encore une alternate ici. Incroyable. Et le Karchakrok X Gold. Je crois pas que tu l'avais celle-là, mon petit pote. Magnifique carte ici, hein. Karchakrok, quel Pokémon quand même. J'aime beaucoup. Tu peux pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui sort et tout, etc. Après, c'est les reventes. Attention à l'alternate. Ah, Cayenne en carte alternée. C'est la première fois que je la vois. Je l'avais jamais vue encore. Magnifique. Alors, on aurait préféré un Pokémon, bien sûr, mais très sympa. Alors attends, je réfléchis. C'est VMAX ou pas? Moi je sais pas, hein. Allons voir, hein. C'est soit une énorme loose, soit c'est un chien. Ok, c'est pas une énorme loose, c'est un chien. Chien de feu alterné pour toi. Elle est magnifique la carte, bravo. Agradez ça, fait plaisir. Marakashi. Farfaduvet. Et le Cléopsytra Shiny suivi de Pania. Magnifique carte dresseuse. Elle est belle celle-là. Exagide et les sœurs parasol en termes de tout ce qui est grossiste, on est limité, moi en tout cas. Oh, le petit mythe de fer et Rugilune, mais magnifique. Rugilune, tu l'avais pas, je crois. Négapi en carte AR ici pour toi. Il y a Dracaufeu, Gardevoir et Mew, c'est ça. Famignole, Hyper Ball. Bon, je crois que je suis un des meilleurs shiny, frérot. À ce qui paraît, je me pose la question combien ils les vendaient là-bas. Et hey, le Tsalarsen, première fois que je le vois. Très joli shiny ici. Comment dire? Stade gamin en carte AR, pardon. Et le laisse tomber. Double hit, monsieur, pour commencer. Par-dessus la troisième. Ah non, c'est pas ça, pardon. On fait pas du tout ça, nous. Pas de catch ici. Attends, y'a qui en AR? Ah oui, y'a Super Dauphin aussi. C'était Super Dauphin dernier. Tarsal, magnifique petit shiny ici avec Maganon. Oh, t'as des beaux shiny en vrai, que j'ai aimé chasser en plus. Alors du coup, je suis en train de me préparer à ça en fait. Le plan du professeur Netflix. Let's go. En alternate, je sais pas si tu l'avais déjà eu. Je crois que oui. Une fois, tu nous avais fait tous les dresseurs, il me semble. Oh cool. Mentali. Et un petit Dracaufeu pour commencer, monsieur. Dracaufeu Foulard pour toi, félicitations. Française cette fois-ci. Bord jaune de nouveau. Ça peut peut-être... Oh frérot, ça peut être du 25 ans. J'y crois pas. Il a dit, frérot, je fais que 25 ans en collection. Il arrive à taper la carte des 25 ans. Élector de roquette. Le 9,5 pour les lecteurs de roquettes holographiques. Magnifique, franchement, les deux sont sympas. Hein. Félicitations, bien joué. Il y avait un Dracaufeu qui est déjà tombé, mais il y avait une autre carte du set de base. Florizarre holographique du set de base. Je les ai gradés authentiques. Donc je sais pertinemment qu'il n'y a pas de note. Après, si vous voulez demander une note et tout, vous pouvez. Je sais que l'état est un tout petit peu sur les côtés. Un petit peu usé. Mais moi, j'ai demandé un authentique sur ces cartes-là. La carte la plus rare est tombée, monsieur! Oui, zombie! Magnifique Magikarp et derrière le Deden, incroyable booster! Je crois que c'est celle-là la plus recherchée hein, dans Paldea. Charbonbin, Poulpaf, Vrombi, Ferrosinge, Colossinge, Farfaduvet, Pagaïde. Oh, encore! C'est un gros shiny, les gars! Oh là là! Oh, elle est belle celle-là. Elekid, Sorboule, Onyx, Forgerette, Capidextre, Poupée Ronflex, pardon. Forgedina, Veste de Défi. Oh, et voilà. Et regardez ça. Le plan du professeur Netflix. En alternate. Non, c'est que... Frérot, tu fais comme... Oh! Oh! Mais arrête, il a une cape luxueuse, mais comme il se la raconte. Magnifique. Ah, Faille Paradox Enigma avec le cap. Mais c'est la journée du Karchakrok. Ex-Gold pour toi. Let's go.
Magnifique. Allez, premier booster ici. Donnez-nous une ETB de folie, s'il vous plaît. J'ai fait une ETB, les gars, avec 12 hits. C'était un délire. Bien sûr, c'était pas pour moi, mais ça fait plaisir. Farfat duvet. Allez, premier booster, premier hit. Avec petit shiny type O. Oh, il est beau. Le Flagados, il est magnifique. Superbe petite shiny ici. Et le pomme derrière qui revient. Encore un petit doublon. Double hit, on prend. Nous partons sur une rareté qui se dit... sympa déjà, quoi. Oh, moi je l'ai. Vous l'avez, les gars ? C'est un Pokémon qui est assez apprécié. Bon, pas... non, en fait, il est pas trop connu, ce Pokémon. Je sais pas si tu connais. C'est Pikachu VMAX Gold. Magnifique. Magnifique. On est sur Origine perdue avec la note de 9,5, monsieur. Incroyable, let's go. Allez, moi je sens qu'il y a une dinguerie là. Voilà, dans ce tas, il y a un truc de ouf. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Je suis bon quand même. Ah putain, hey, il est bon le con. Hein. Ah putain, hey, il est bon le... Eh oh. Alors, puissant le type. Ah putain, quand je sens les choses, moi, c'est... Wouah, Chaofouine. Eh, il est très stylé. Et pour moi. Ouh, petit style gamin. Ça, c'est bon, ça. Go. Allez, là, on veut une grosse dinguerie, là. Là, la dinguerie, c'est maintenant. Une alternate. Je veux une alternate. Moi, je sais même pas, il y a quoi comme alternate dans cette série. Je veux une... Oh. C'est quoi ce truc? C'est un magnéton. Pelage sablé. Parce que moi, j'ai pas joué au dernier jeu qui parle de Transformers version passée, là. C'est beau, ça fait un hit. Petit Altaria. Mythe de fer. Pitrouille. Un petit Famignol. Allez, mon Martic. Oh, magnifique! Elle est sublime. Oh, les couleurs. Elle est incroyable. Krabara qu'on a vu tout à l'heure. Eh. Quand même. T'es mal à qualité, quand même. Bon, alors, y a pas un gros hit, mais la quantité, elle est là. Toxizap, et boum! Rugilune, full art, monsieur. Lixi, Minizange, Pikachu, Parcool, Énergie lumineuse, laisse tomber, Flamant roule, et y a quelque chose ici. Avec le Tauros de Paldea, elle est magnifique, cette carte. Magnifique, le petit Tauros à air, ici, qui tombe dans Évolution de Paldea. Bah dis rien, c'est le professeur Netflix. Touroum. Non, ça va, t'as pas dit, et du coup, tu vois, t'as bégayé, j'ai pas pu te mettre une meilleure carte. C'est Netflix qui tombe ici, en alternate tout de même. Et ça, c'est sympa.